Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous faire ce Final Fantasy VII Remake. Peut-être je l'ai déjà dit, je ne sais pas, mais pour moi, Final Fantasy VII sur la PlayStation 1, ça a été un de mes jeux révélations. Si je devais classer tous les jeux que j'ai pu faire dans ma vie, il serait clairement dedans. Clairement dedans, certainement même à la première place. Pour moi, Final Fantasy VII, ça reste un référence, quoi. Alors, on va taper. Donc, pour tout vous dire, là on sait, la première partie, ça va être la démo. Mais je tenais à refaire, étant de me remettre dedans. Et au cas où il y a des nouveautés par rapport à la démo, je ne sais pas. Peut-être. Donc, ce premier épisode, ça sera entièrement la partie qu'on avait fait avec la démo. Alors, la jauge ATB est composée de deux barres, elle se remplit petit à petit avec le temps et lorsque vous attaquez avec carré. Vous pouvez utiliser les compétences des sorts ou des objets en combat quand au moins une barre de la jauge ATB est pleine. Pour accéder au menu, c'est la touche X. D'accord. Oh, il m'a tapé lui. Déjà fini. Alors les gars. Hors combat, il est possible de tenir diverses informations sur le jeu et à tout moment grâce au menu principal, options et à la carte. Donc, ok. L'icône apparaît à l'écran, il suffit de déplacer pour ça. D'accord, ok. Tac. Et voilà. Il y a encore des mecs, ils n'ont pas compris. Donc ce premier épisode sera entièrement consacré à la partie qu'on a fait déjà dans la démo. Donc pour tous ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur la démo, on peut esquiver les attaques. Alors vous pouvez bloquer les attaques avec R1 ou les esquiver comme ça. Oh. Moi je vais prendre mon temps. Oh. Alors au début c'est un peu chiant ça. Il nous arrête tout le temps pour nous expliquer les touches. Donc c'est un petit peu relou au début. Je crois que j'avais fouillé. Hein. Ouais c'est ça. Il y avait d'autres trucs. Alors on est toujours sur notre petite PS4 FAT. Hein. Lorsque vous apercevez des caisses portant le logo de la compagnie, essayez de les détruire, d'accord. Ça veut dire qu'il y en a quelque part. Ah ce sont ces caisses-là. On l'a prise la pierre. Ou celle-ci. Des petites potions. Soldat nous aide contre son propre camp. Il a tiré un trait sur sa carrière. Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Ah. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Ah, je suis pas commode, il y a quoi là? Tu sais, Cloud, on compte vraiment sur toi. C'est reparti. Ok. Les visages, ça compte, c'est vrai, non? Et moi, je suis pas. Alors, il est où Barrett? Ouais, on va aller voir Barrett. J'aurais pas dû demander. C'est comme comparer. C'est bon, je t'ai dit. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète, au moins autant que... Ça m'intéresse pas.
image est folle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cible avec R3. Et on peut changer de cible. Allez. C'est costaud. J'ai pas vu des caisses par là. Ah, y a une caisse. De l'éther. Pour la... Ouais, tu sors d'où toi? Adieu. Y'a un chat. Ok, dernier tas de choc. C'est le moment de le finir. Elle est où là? Bon. Ok les gars, j'arrive. Merci. Non. Qu'est-ce que c'est beau gosse? Potion là. C'est par là. Qui c'est qui vomit là? On a de la compagnie. Je te les laisse. Ça devrait être facile. Attends, je te finis toi. Là. Je peux pas prendre une potion? D'accord. Ah si, il faut aller, faut passer par là, d'accord. 350. Oh, c'est pas mal. Hop là. En plus, il y en a une ici. Ah, y'a quoi là? Je fouille un petit peu tout, voir s'il n'y a pas des. Des caisses. Bah tiens, ouais, je l'avais même pas vu. Donc le deuxième épisode sortira très rapidement. Je vais essayer de sortir ça à midi. Histoire de. Que vous puissiez, pour tous ceux qui ont déjà vu la démo, que vous puissiez vite passer à la suite.
paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'as encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, et ça devrait aller. Attends un peu. Biggs va pas tarder à ouvrir les portes. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là? Ah, c'est pour moi. Ferme vite. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec... ouais, la bravoure, d'accord. Ok. Il est seul contre nous. D'accord. Bonjour. Désolé, Cloud. Passons à la suite. Ça donne des frissons. Concentre-toi. Rien pour moi, là. Je couvre nos arrières. D'accord. Attends gentiment ici. La chaudasse. On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Cloud, reste avec Jesse. L'ascenseur a l'air d'être tout en bas. Appuie sur le bouton à droite. T'es un ami de Tifa, ce qui paraît? Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? Et moi. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ouais, ouais! Va te faire soigner. Hein? Tu te fous de moi?
Oublie la planète 2 secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Ah. Essaie de pas me décevoir. Ouh. À jouer à l'équipe de Barrett Wallace. Grâce au canon qui est greffé à son bras, Barrett peut tirer à distance sur ses ennemis. Maintenir un carré lui permet de faire des salves continues. Ok. Quand changer de personnage. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Je suis qui là? Attends. Claude, il est en train de se faire défoncer là. Grosse décharge, d'accord. C'est pas mal. Ok. Y a pas des. Pas de casse ici. Bon, ok. Cloud, regarde ça. Des rideaux laser. Je m'y attendais. D'accord. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé ! Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Alors, comment il est possible de faire courir ? Pour cela, il suffit de maintenir R1 ou R2. Tu permets jusqu'à ça. Ah oh, okay, autant pour moi. Je faisais pas attention en fait. Allez, où elle? Oh!
Désolée, on a pris quelques petites décharges quand même. On s'en est tiré en un seul morceau. On est tout. Regarde. On surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces en premier. Ah, petite caisse. Il semblait qu'elle avait trouvé une queue de phénix pendant la démo. La magie. Défoncé là. Allez. Il faut profiter de cette occasion. On le lâche pas. Allez, ensemble. Ouais, aucun problème. Merde. Laisse-moi faire. Je fais n'importe quoi là. C'est bon. Ouais. Maintenant, on y va, Franck. On me le dira pas deux fois. Je vais m'en donner un cœur. Non, c'était pas le plus haut des combats. Dis-moi, tu m'as l'air jeune. Je suis première classe. En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. On dit que t'es jeune, c'est ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais, vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein. D'accord, d'accord, première classe et un endage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Alors, déjà une demi-heure de jeu. On arrive au cœur du réacteur. Et la grosse bébête. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. On descend par ici. Oh, quand on se souvient. Les graphismes, parce que j'ai refait le début du jeu FF7 original. Ça pique. Hein. Ça a quand même un sacré changement. Qu'est-ce qu'il y a, t'as les chocottes ? Tu crois n'importe quoi ? J'ai des frissons d'être tout prêt de réaliser notre arrêt ! Le mec, il sait pas parler. Hein. N'importe quoi ! Ah, des cut phoenix. Ça, c'est cool. Ça marche. On se demande comment il fait pour pas se prendre les pieds dans son épée quand même. What? Bonjour. Ce sera vite réglé. Ah, j'appuie trop sur le bouton là. Attends, pas. Je vais te mettre. Je vais te mettre une petite potion d'arrête. Ah, what?
important. Ok. Mais si, t'inquiète. Si on tombait, tu crois qu'on irait le réacteur aurait pas mal de trucs hein. On a... au niveau équipement je pense qu'on est pas mal. Ah oh là 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 là. On a des armes. Allez. Ouais, va falloir que j'utilise les sorts là. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa, pour te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. Du temps. J'espère que t'es sûr de toi. Ça peut aller. Oh, t'as osé nous piéger. Là-haut. Hein? C'est quoi le truc? Attends, j'ai... Ne te précipite pas. Ouais, aucun problème. C'est canon. Ah, mais à chaque fois, je... Merde, il m'a fait quoi là? Garde ton sang-froid.
n'est-ce pas? Tiens. Ça va te faire vibrer! Bordel, vous trouvez un moyen de détruire cette barrière! Hé! Tu crois vraiment qu'on arrivera à l'écouter en continuant comme ça? Arrête de te plaindre et tiens dessus! Tu dis ça, mais tu fous pas grand chose, toi! Oh, encore! Je rattrape pas! Faut vraiment que je fasse tout! Je sais plus comment j'ai fait l'autre fois. Concentre-toi, ça me va. Ça marche pas non plus. Objet déjà, on va mettre potion sur la poudre. Attends. Ah, je n'ai plus. J'ai fait tout à l'heure, oh mince. Je pourrais prendre de l'éther sur Barrett. Juste quand je passais la grosse charge. Attention à sa queue, il s'apprête à tirer un laser. Hein? Et on fait quoi maintenant? On évite de se prendre. On se cache derrière les débris. D'accord. Tu pourrais courir. Ah!
cas. Il est fragile. Essayer un petit peu de jouer avec lui. Il suffit de bien analyser ses attaques. Ok, il a pris char. On a une bravoure. Pourquoi il prend pas un bravo? Il est quasi mort. Allez! Ok, j'en ai une patte. Il est fragile. Allez, allez, allez! Je compte sur toi. Mais t'en fais pas! Mais t'es cassé! Ok. Allez, 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 allez! Je rattraperai pas! Faites ça! Donc, j'ai des réponses de science! Mais, c'est vrai, j'espère! Allez, 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 allez! Bon ça. Allez, reste couché là. Voilà, c'est vraiment des combats excellents. Allez, monte tes fesses, Barrett.
Bah je prends un truc là, c'est bon. On a le temps, ça va. On est large. Se tais-toi et grimpe. Fais comme tu veux. Et on voit Barrett là-bas, magnifique image. Excellent. C'est magnifique. Y a rien à dire. Ah bonjour. Et maintenant. Tu parles devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Et vous. Ancien super soldat. Et voilà. Faut les arrêter. N'est pas qu'on perdait. Ça va bien t'embêter. T'inquiète pas, ça prendra 5 secondes. Ça va faire terminer. Attends, je voulais d'ici avant qu'il soit trop tard. Ouais, ça marche. Allez, c'est bon, on finit là. Je vais mettre un petit coup de feu. Allez, ça dégage. Voilà. On a le droit d'être content quand même. On a le droit d'être content, bien sûr, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon.
Pour Barrett aussi, hein. Hop là. Ouais, je l'ai vu trop tard. Il touche pas. Allez où stop. Allez. Quelle beauté. Ça va aller? J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. Des crayons de vérité. Voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Parce que c'est là que s'arrêtait la démo. Bah, j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo. La deuxième vidéo va sortir très très vite. Comme ça, ça vous permet de zapper sur la première si vous aviez déjà vu la démo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.